Bonjour à toutes et à tous, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien. Et moi, ça va vraiment, 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 vraiment super bien. Je suis ultra heureux de vous voir et de vous parler aujourd'hui. Enfin, de vous voir, je vois pas vraiment, mais bon, je vous imagine en train de me regarder et je me dis, franchement, j'ai fait un petit bout de chemin là et je suis enfin devant le PNJ donc qui va en fait finaliser ma quête du Dofus des Glaces. Donc, je voulais le filmer en direct, donc là, je suis en live. Donc on va y aller, donc je vais accepter. Donc c'est pas lui qui va me donner le Dofus des Glaces, mais c'est lui qui fait valider une série de quêtes qui sont vraiment, enfin qui est vraiment vraiment, la série est longue donc, et les quêtes sont vraiment vraiment chiantes. Il faut tuer des mobs par zone de Free Ghost, donc en commençant par les bouffetous etc. Pour finir, il faut tuer 100 monstres de la zone Glour Céleste, donc c'est vraiment horrible. Et donc là je viens de finir, donc on y va, on va donner les graines. Hop, donc quête mise à jour, développement durable. Donc on va regarder tout de suite ensemble ce que ça fait. Donc allez voir Lucette, machin, qui se trouve à l'hôtel de ville. Donc on va y aller. On va aller à l'hôtel de ville ensemble. Donc voilà. On va continuer. Tac. Alors, l'hôtel de ville, on va se déplacer. Je me suis mis vraiment, même pas en transparent, pour que vous appréciez vraiment le... Oups, c'est là. Alors, est-ce que ça va accepter quelque chose? Bonjour, je vous préviens, vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi. Sous prétexte que de nous venir en aide, moi j'assiste notre mère dans la gestion de l'île. D'accord, donc c'est son ami, blablabla. Voilà. Succès déverrouillé, la mère Denis. Hop. Avec la petite émote, donc on va accepter. Vous connaissez l'attitude éternuée. Donc là, on va la faire. Voilà, donc déjà ça c'est validé. Ensuite, on est dans les succès. Dans les succès, crête principale, la mère Denis validée. Donc là vous voyez bien, œuf à la neige, donc pour avoir le Dofus des Glaces, fraîchement pondu. Donc fraîchement pondu, alors on m'a expliqué que c'était justement qu'il fallait aller voir notre ami le comte Arbour. Donc on va y aller ensemble. On va y aller, on va aller tuer le petit compte à rebours. Donc là, j'ai gagné pas mal de kama quand même. J'avais mis 7195 kama exprès pour justement pour vous remercier des 7195 abonnés parce que vous êtes sur ma chaîne 7195. Donc c'est vraiment super super. Je vous remercie encore et je suis content de vous faire vraiment cette vidéo là. Il me tardait tellement de le faire, de vous montrer ça, de vous montrer un petit Dofus des Glaces en direct de la voir. Donc normalement, si tout se passe bien, je peux aller voir le comte Arbour en fait sans avoir fait la quête. Je dis au revoir, bye. Yeah. Avec le E à la fin, c'est toujours mieux. Oui, je disais, je peux accéder au comte Arbour normalement sans avoir à faire le donjon. Donc, normalement, c'est comme ça. Alors, si lui me bloque la route, ça va pas être super là, les amis. Non, il me bloque la route. En attendant, je vais vous montrer un petit truc que j'ai eu récemment. Non, c'est pas là-dedans. C'est hop, la petite émote Clepsydre, qui est vraiment magnifique, que j'aime beaucoup. Je suis vraiment amoureux de cette émote. Elle est vraiment énorme, c'est super quoi. J'adore, franchement j'adore. D'ailleurs, pour le Dofus des Glaces, je voulais vous dire que... Enfin, j'avais pas mal de trucs à vous dire. Et je voudrais vraiment... Tout d'abord, enfin vraiment avant tout, avant d'avoir le Dofus ou ça, je voudrais remercier Borgir, Akan, Vahi, Aspro, Celi. Enfin, il y a vraiment beaucoup de monde qui m'a aidé pour cette quête. Et je tenais à les remercier vraiment un par un. Tetsion qui m'a aidé. Il y a vraiment, enfin, je pourrais pas dire tout le monde, enfin, vraiment, je pourrais pas remercier assez tout le monde. Parce que vous savez, pour un monocompteur, c'est vraiment très dur. De faire plusieurs panneaux Free Ghost 3, etc. Il faut de l'aide, hein. Donc ça vous le savez, c'est grâce à mes amis, et heureusement qu'ils sont là, et heureusement qu'ils m'ont aidé. Oh, c'est un peu bugué, j'ai pas dû cliquer, enfin c'était un peu bizarre. Donc merci à eux, merci à tous mes amis de m'avoir aidé à faire ce truc, ce petit truc de Dofus des Glaces, et lui demander de vous emmener sur le toit, voilà. Voilà, j'y suis. On va faire les mottes, hein, pour être encore plus joli. Tac.
Oui, j'y vas. Alors, mortel, ta détermination, force le respect, blablabla. Tu as vaincu le compte à rebours, sache toutefois qu'il n'est pas l'être maléfique qui a causé la glaciation. Comme tous les habitants de l'île, il a été le jouet de l'infâme Jôl, le démon et le seul responsable du destin tragique. Donc moi, il faut que je regarde Fascination. Voilà, nouvelle quête d'Offus des Glaces, sentir le froid naturel. En défiant le comte à rebours, tu as lié ta destinée à celle de Frigost. Tu dois prendre garde à ce que l'hiver sans fin ne te gèle le corps, l'esprit et le cœur. Répondre que l'hiver a toujours été votre saison préférée. Ton courage a apporté de la lumière dans ce lieu où ne règnent que les ombres de la folie. Je tiens à te récompenser. Prends cet enfant du Dofus des Glaces. Prends cet enfant du Dofus des Glaces, ouais, d'accord. Ne sois pas surpris, les œufs de dragon sont des miracles. Et leur nombre est infini. Ils sont multiples et pourtant forment un tout. Prendre le Dofus des glaces. Je t'offre ce Dofus sans crainte. Seul son créateur et moi-même pouvons libérer tout son pouvoir. Mais entre les mains d'un mortel, il reste un trésor infiniment précieux. Prends-en grand soin. En le regardant, n'oublie pas qu'un autre Dofus des glaces est présent au sommet de cette tour et que le destin ultime du peuple de Frigost dépend de lui. Demander si le Dofus des glaces peut être retiré de la clepsydre. C'est impossible, sans détruire la machine de à rebours. Faire cela condamnerait tous les Frigostiens. Ils seraient rattrapés par l'horloge de Xelor, et la plupart d'entre eux mourraient de vieillesse. Sans compter les conséquences désastreuses sur l'écoulement du temps. Personne ne souhaite déclencher de tels événements. Va, maintenant. Le remercier et partir avec le Dofus des glaces. Alors, j'y vais être un homme. C'est assez étrange, d'ailleurs. Voilà! Donc, mes amis! Le fameux Dofus des Glaces. Donc voilà, je vais tout accepter, hein. 5% de l'expérience sera attribuée à votre guilde. Donc allons-y. Voilà, c'est fini. Attention, on va aller dans mon inventaire. On va aller dans Dofus, s'il veut bien. Voilà, mes amis, le Dofus des Glaces. Le fameux Dofus des Glaces. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Je vais le linker. Parce que je suis vraiment content. Et voilà. Et je suis le premier monocompteur à avoir le Dofus des glaces. C'est important de le. Sur le serveur, hein, bien sûr. C'est important de le préciser. Il y a une dizaine de joueurs qui l'ont, mais tous ont des teams. Et il y a une team de 5-6 qui l'a eu. Donc, et c'est le même joueur. Donc je suis le sixième être humain et le premier monocompteur. Voilà. Donc je suis vraiment content et franchement merci à tous ceux qui m'ont aidé, c'était vraiment super, enfin c'était génial comme expérience. Il y a eu des moments un peu chiants, hein, j'ai dû faire par moi-même, mais je suis vraiment content. Et voilà, je peux me balader enfin avec mon Dofus des glaces. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée à toutes et à tous, et je vous dis à très très bientôt. Ciao tout le monde.